Une société solidaire, c'est une société, évidemment, on pense d'abord une société qui réduit le risque, et spécialement pour les plus vulnérables, c'est une société qui produit de la sécurité. Mais en fait, paradoxalement, une société solidaire, c'est aussi une société qui est prête à prendre des risques collectifs. Et donc là, ça fait penser à la parabole du bon berger, que les gens ne connaissent plus tellement, mais qui dit que le bon berger laisse tomber son troupeau pour aller chercher la brebis égarée. Et donc il fait prendre un risque au troupeau pour s'occuper de la brebis qui est soumise au risque le plus intense au moment présent. Et donc une société solidaire, c'est une société qui accepte de prendre des risques collectifs pour mieux répartir les risques. À l'opposé d'une société qui sacrifie une partie de la population et qui la laisse tomber en disant voilà, c'est plus efficace de concentrer les risques sur ces gens-là qui sont moins méritants et protégeons le reste de la société. Ça, c'est le contraire de la solidarité.